Es agua pura que me corre por la piel. Es como venas en una galaxia entera. Ella está allá en mil colores, hay mil pueblos en su piel. Es la fusión perfecta y justa de mi tierra. Ella es la unión entre el amor y el desamor. No, el eslabón que le faltaba a mi cadena. Ella puede con mi vida, es el volcán de mi pasión. Báilame muy dentro de mi corazón. Enamórame en un mundo de superstición. Lávame en tus ríos de calor, de amor. Que en tu pecho de estrellas yo caigo. Negra o blanca, blanca o negra, pero siempre consentida. La mujer tiene un misterio, un magnetismo que fascina. Negra, blanca, blanca o negra, hoy por fin llegó a mi vida. Ella es magia de deseo que me envuelve y que me hechiza. Isabelle, Isabelle, comment tu te sens? Où suis-je? Où suis-je? Qu'est-ce que j'ai eu? Miguel, c'est vraiment elle? Qui êtes-vous? Hein? Nous sommes tes beaux-frères, Isabelle. Écoute, non, ne t'inquiète pas, non, ça va aller. Vous... Excusez-moi, messieurs, non, s'il vous plaît. Non, excusez-moi. Non. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qui m'arrive? Ça va. Le test de la pupille est bon. Vous êtes parent avec la patiente? Hein? Oui, en quelque sorte. Comment ça, docteur, en quelque sorte? On nous a signalé que vous aviez admis ici une femme et son enfant. Oui, l'enfant est actuellement avec le pédiatre. Maintenant, veuillez nous laisser. Oui, s'il vous plaît, oui. Elle va beaucoup mieux. Merci, laissez-nous. Merci. Merci, docteur. Je vous en prie. Regarde. Regarde. Quoi? De quoi? Regarde ça. De quoi? Tu veux me montrer ton agenda? Non, les dates. Mm-hmm. Regarde. Elle a 19 ans. Elle a 19 ans et 5 mois. Hum. Eh bien, c'est forcément ma fille, Barbarita. C'est forcément ma fille. Barbarita est ta fille? Monsieur l'agent, je vous en prie, c'est ma fille. Écoutez, il faut que vous la retrouviez très rapidement, parce que si Wilfried la retrouve, il va la tuer, croyez-moi, il va la tuer. Aidez-moi, si vous... Barbarita est morte. Oui, j'en suis sûr. Barbarita ne peut être que ma fille, tout simplement parce que les dates correspondent. Et puis elle a la peau claire. Ça devait être à la Saint-Jean, certainement. Ah, mamie, Saint-Jean, c'est incroyable. Il faut toujours que tu embêtes Saint-Antoine dès que tu en as l'occasion. Arrête, ça n'est arrivé qu'une fois. Une fois, mais à une femme... comme Trinidad, il est impossible de résister, tu sais. Ah, alors là, alors fais attention. Fais très attention, parce que ce fou de Jean de Dieu pourrait très bien te couper la tête. Je suis sûr que cette jeune femme est ma fille. Certain. Et toi, tu vas me donner un coup de main, tu vas m'emmener la voir rapidement. Moi? Mais Jean de Dieu, alors? Eh bien, qu'il me coupe la tête, si ça lui chante. Cette jeune femme est ma fille. Barbarita est ma fille. Et je veux la rencontrer. C'est la médaille de Sainte Barbara. Qu'est-ce que tu as fait à ma fille, espèce d'ordure? Dis-moi où est Barbarita. Dis-le-moi. Elle est morte. Barbarita est morte. C'est moi qui l'ai tuée, comme elle a tué mon père. Non, c'est pas vrai. Allez, arrête, non, arrête. Calmez-vous. Calmez-vous. C'est bon, calme-toi. Dis-toi, sale pourriture, je vais te tuer. C'est toi
veux qu'on aille s'expliquer dehors, je vais te mettre la raclée que tu mérites. Allez, viens. Allez, encore, faites pas peur. Allez, dégage. Casse-toi. J'ai pas pu tuer ta sœur, mais je vais me rattraper avec toi, sale petit morveux. Non. 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 Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais ici? L'enfant. L'enfant, où est l'enfant? Calmez-vous. Le docteur vient de vous examiner et vous n'avez strictement rien. Vous n'avez aucune lésion. Et l'enfant va très bien. Votre famille attend à côté. Ah, merci. Merci. Merci, Sainte Barbara. Oh, grand-mère. Ma famille est là. Oh, ma famille est là. Allez, vas-y, vas-y, tire-moi dessus, enfoiré. Allez, vas-y, tire, allez. Voilà, 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 là, je peux savoir ce qui se passe ici. Range-moi ça, Wilfried. Rentrez tous chez vous. Vite. Je te retrouverai. Oui, dégage. Tirez-vous, c'est ça. Tirez-vous, c'est ça. Maman, elle est en vie, je te jure, elle est en vie, je le sens, je sais qu'elle est en vie, je vais la retrouver. Et si cette ordure lui a fait du mal, je le tuerai, je te le jure, maman, je le tuerai. Ça suffit, non? Climaco, mon chéri, je veux partir, je veux rentrer à la maison. Oh mon Dieu, aidez-moi, tout se passe comme maman l'avait prédit. Bien. Elle l'avait vu, elle le savait, elle l'avait prédit. Maman l'avait prédit. Oh, maman. Allez, calme-toi, maman, ça va aller. Peut-être que Barbarita n'est pas morte. Sa médaille est peut-être tombée. Il faut essayer de la retrouver. Oui. Oh, mon amour. Maman le savait. Maman, Barbara le savait. Elle l'avait prédit. Elle l'avait prédit, c'est ça qu'elle a vu hier. Elle l'avait prédit. Ah, bon sang. La famille va mourir quand elle verra la couleur d'Isabelle. Je sais. Mais il doit y avoir une explication. Une explication? Comment expliquer que Rodolfo, notre cher frère, qui était aussi raciste qu'Hitler, ait pu se marier avec cette perle noire? Tu ne trouveras pas d'explication, Miguel. Mais par contre, tout le monde va remarquer cette beauté. Frangin, cette femme va faire chavirer beaucoup de cœurs. Raimundo, c'est la veuve de notre frère. Souviens-t'en. Je sais pas pourquoi tu me dis ça, mais j'ai l'impression que tu te fais des idées. Je me trompe? Raimundo, s'il te plaît. Appelle grand-mère et dis-lui que la femme... Non. Dis-lui qu'Isabelle et l'enfant vont bien. Rassure-la, je vais parler au médecin. Et c'est parti, que la fête commence. Mon cher Rodolfo, avec tout mon respect, quelle bombe! Eh ben, mon cochon, quelle bombe! Ah. Sauvez mon bébé! Parce que Barbarita n'est pas ta fille! Ne touche pas à ma fille, espèce de saligo! Non! Non! Non, sortez-moi d'ici! Sortez-moi d'ici! Non, sortez-moi d'ici! Sortez-moi d'ici, je vous en prie! Non, laissez-moi! Non! Non! Allons, calmez-vous, mademoiselle! Calmez-vous! Je vous en prie, calmez-vous! Calme-toi, Isabelle, allez! Sortez-moi d'ici! Sortez-moi d'ici, s'il vous plaît! Non, je veux pas! Je veux pas ça! Non! Aidez-moi, je veux pas rester ici! Je veux pas! Allez, allez, du calme! Du calme, respire, respire. Je suis là, je vais rester avec toi. Thank you.
Ma fille, Barbarita. Non, s'il te plaît, non, ne les laisse pas me remettre dans cette machine, je ne veux pas. Non. Calme-toi. Excusez-moi, monsieur, nous allons lui administrer un sédatif pour le calmer. C'est pas la peine. 5 petites minutes avec son beau-frère et tout ira bien. S'il vous plaît, laissez-moi, je vous en supplie, laissez-moi. Prévenez ma famille, prévenez-la. Isabelle, nous sommes de ta famille. Alors calme-toi, hein. Reste tranquille, personne ne te veut du mal, personne. Monsieur, nous allons la ramener dans sa chambre. Mademoiselle, s'il vous plaît, venez. Frérot, il va falloir qu'on s'arrange pour consoler cette jolie veuve à tour de rôle, hein? T'es d'accord? Vous savez que ma fille n'a tué personne. Vous la connaissez. Ma fille est une bonne petite. Ma fille est trop gentille. Où es-tu? Maman, calme-toi, ça va aller. On me l'a prise. On m'a enlevé ma petite fille chérie. On m'a enlevé mon soleil. Maintenant, je suis seule. Tu sais, on ne peut pas passer sa vie à toujours fuir son passé, Florence, hein. Sans garder de souvenirs, sans avoir la photo d'un enfant qu'on a vu grandir. Tu sais ce que j'ai toujours demandé à Dieu? Je lui disais, hey, Seigneur, donne-moi un fils, un petit gars qui soit de ma chair et de mon sang. Il ne se passait pas un jour sans que je le lui demande, Florent. Et il ne m'a jamais envoyé le fils que je lui demandais, mais maintenant il m'envoie Barbarita. Allez, assieds-toi, je t'en prie. Allez, vas-y, parle-moi d'elle. Allez, parle-moi un peu de Barbarita, parle-moi d'elle. Barbarita? Oui. Elle est magnifique. Battante, très courageuse. Elle ne lâche jamais rien. Mais ce n'est pas tout. C'est vrai que la vie ne t'a pas donné le fils que tu as demandé. Mais cette fille a du caractère et du sang de guerrière. Et si Barbarita est bien ta fille, alors tu as gagné le gros lot. Seulement, tu vas... Eh bien, quel silence! J'ai comme l'impression que vous parliez de quelque chose de très important. Je me trompe? Non, vous ne vous trompez pas, Madame Lena. Il se trouve que le Portugais et moi, nous étions justement en train de parler... Des freins de la voiture. En effet, je trouve que l'alignement devrait non, être jeune homme. Plus... Je voudrais que certaines choses soient bien claires entre nous. Où vous croyez-vous donc? Vous devez rester à votre place dans cette entreprise. Et je vous saurai gré de ne plus employer plus jamais ce surnom, Gaëtan le Portugais. Mon mari s'appelle Monsieur Gaëtan Nascimento, c'est compris? Oui, Madame Nena. J'espère bien. Alors ramenez-nous à la maison, s'il vous plaît. Allons-y, oui. Gaëtan. Prendra soin de maman. Oui. Je ne lui dirai pas tout ce qui s'est passé pour ne pas la choquer. Barbarita est une prunelle de ses yeux. S'il te plaît, maman, ne pleure pas. Si elle te voit comme ça, elle va tomber malade. C'est vrai, il a raison. Je sais que pour elle, je dois être forte. Je sais que... qu'il faut que mes... Maman... Mais c'est trop dur. Oh, c'est trop dur, j'ai trop mal. Qu'est-ce que je vous ai fait, mon Dieu? Je n'ai pas mérité ça. Pitié, pitié.
Je veux mourir. Ah, mes enfants. Climaco, Climaco, mon fils, où est-ce que tu vas? Climaco! Oh mon Dieu! Mon Dieu, protégez mon fils! Par pitié, faites qu'il ne lui arrive rien! Il ne faut pas revenir. Climaco! Aidez-moi, docteur, je ne sais pas ce que je fais ici. Où est ma grand-mère? Je dois la voir. S'il vous plaît. Écoutez-moi, docteur. Ça va aller, ça va aller, du calme. Il y a eu un incendie. Calmez-vous. Il y a eu un incendie. Calmez-vous, mademoiselle. Faites-moi confiance. Allongez-vous. Qu'est-ce que vous allez faire, docteur? S'il vous plaît. Allongez-vous. Je ne suis pas celle que vous croyez. S'il vous plaît, docteur. Doucement. On va vous administrer un tranquillisant. Détendez-vous, vous avez besoin de dormir. D'accord? Ça va aller, mademoiselle. Oh mon Dieu. Confiance, ça va aller. Mon Dieu, qu'est-ce que vous faites? Calmez-vous. Et pourquoi je suis ici? Calmez-vous, voyons. Dites-moi pourquoi. Tout va bien. Là, grand-mère. Grand-mère. S'il vous plaît. Oui. Vous êtes le docteur Castellanos? Oui, oui, madame, c'est bien moi. Enchantée. Qu'est-ce qu'il est canon, ce mec? Je suis Bernarda Palacios de Aristiqueta, enchantée. De même. Je crois que c'est vous qui vous occupez de notre famille. Oui, c'est exact. Il s'agit d'une jeune femme et de son enfant. Peut-on les voir? Maintenant, ce n'est pas possible, parce que la jeune femme est actuellement sous tranquillisant et l'enfant passe des examens. Mais soyez tranquille, tous les deux sont désormais hors de danger. Tout ce que je peux faire, c'est vous laisser ce numéro de téléphone. Appelez quand vous voulez. Et il n'a pas d'alliance, très bien. Pouvoir du feu. Force de l'eau. Seigneur des fleurs. Chant des oiseaux. Notre mère, la terre. Esprit protecteur, délivrez-nous du mauvais sort. Je l'avais prédit, Trinidad. De grands malheurs frapperont les Blancos. Pouvoir divin, pourquoi? Pourquoi? Dis-le-moi. Son destin, d'accord. C'est très bien, alors. Si elle doit partir loin, alors je suis d'accord. Si elle ne doit plus s'appeler Barbarita, je l'accepte. Si telle est votre décision, je l'accepte. Pauvre Trinidad, tu vas souffrir, tu vas pleurer. Mais ne pleure pas pour Barbarita. Oui, elle est partie. Mais pas pour toujours. Ça sent l'eau de la rivière, la mangue, l'ananas. Seigneur des eaux, je t'écoute.
Le destin l'a emporté au loin. Très loin. C'est la vie. Barbarita, tu seras et tu ne seras pas. Tu es comme l'eau qui est si douce, puis qui devient salée quand elle rejoint la mer. Trinidad. Ne pleure pas. Barbarita est là. Elle sera toujours près de toi. À genoux, les enfants. Grand-mère est partie veiller sur Barbarita. Que Dieu te bénisse, maman. Non, 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 oh, non. Je ne veux pas. Non. 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 Mais qu'est-ce que tu fais, Raimundo? Je remettais le drap. Elle bougeait beaucoup et alors Sandra est tombée. Et non, mais c'est pas ce que tu crois. Pas du tout, hein. Elle est noire. S'il te plaît, maman. Grégory, retrouve Climaco et dis-lui qu'elle est morte. Dis-lui de revenir vite. Tabata. Tabata va en aviser la préfecture. Allez, dépêchez-vous. Dépêchez-vous. Maman, chérie. Va retrouver Barbarita et veille bien sur elle. Et veille aussi sur nous, d'accord? Oui, veille sur nous qui restons ici avec notre douleur et notre souffrance. Vous resterez dans mon cœur pour toujours. Toutes les deux. Mes deux saintes. Mes deux seules joies. Mais de Barbara. Oh mon Dieu. Et puis je tiendrai ma promesse. Je te le promets et je l'accomplirai. Tu n'iras avec les flots. Tu retrouveras les flots et tu n'iras avec ses pouvoirs. J'accomplirai ce rite, maman. Mon chéri, ça ne peut être qu'une erreur. Maman, elle était avec l'enfant. Elle avait le téléphone et l'adresse de la maison. C'est Isabelle. Bon, ben moi, je dois y aller. Miguel, tout ceci est très bizarre. Tu lui as parlé? Très peu, grand-mère. Elle est sous calmant depuis qu'elle est là. Mon Dieu. Non.
Comment peut-on croire que Rodolfo a épousé une femme qui n'est pas... comme nous? Enfin... Nous devons attendre qu'elle se réveille. Actuellement, ils examinent l'enfant. Sois patiente. Je vais aller parler au médecin. S'il vous plaît, laissez-la dormir. S'il vous plaît. Mais la petite est beaucoup trop jeune. Écoute, elle ne peut pas se marier. Mais non, elle n'est pas trop jeune. Tu l'as bien observé. Viviana est devenue une femme. J'ai l'impression que tout ça est trop rapide pour ces jeunes qui n'ont pas encore assez vécu, ni vu. Et tout le reste, moi j'ai l'impression que Viviana n'est pas très, très enthousiaste pour le mariage. Pas autant que toi, en tout cas. Tu sais quoi? Décidément, tu n'y connais rien aux femmes, mon amour. Tu ne t'imagines pas à quel point elle était heureuse quand elle a vu toutes ses robes de mariée. Quoi, elle a déjà sa robe de mariée? Non, pas encore. Nous avons seulement vu des modèles. Et tu sais pourquoi? Oh chérie, parce qu'elle voudrait que ça soit toi qui lui en offre une. Moi? Oui, mais surtout ne lui dis pas que tu le sais, parce que c'est une surprise. Tu sais bien qu'elle te considère comme son papa, et elle serait très heureuse si tu lui offrais sa robe. Eh bien... Eh bien, je ne savais pas qu'elle voulait que je lui offre sa robe. Mais c'est avec plaisir que je le ferai. C'est vrai? Tu vas lui offrir? Oh, tu n'imagines pas à quel point tu vas lui faire plaisir, mais surtout, je t'en supplie, promets-moi une chose. Surtout, ne lui dis rien. Promets-le-moi. Merci. Oh, qu'est-ce qu'elle va être heureuse, ma chérie. Mais... et l'enfant, alors? Il est un peu déshydraté, mais ce n'est rien, il est en bonne santé. Tant mieux. Vous m'avez dit que le rapport de police stipule que la femme et l'enfant ont été victimes d'une agression. C'est ce que suppose la police. Mais j'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous êtes parent avec la patiente? Nous supposons que c'est notre belle-sœur et notre neveu. Vous supposez? Eh bien, en fait, c'est une histoire assez compliquée. Serait-il possible de voir ses affaires personnelles? Sa robe, son sac à main, des bijoux, par exemple? Oui, bien sûr. Écoutez, je dois aller voir des patients, alors passez à mon bureau, je vais vous arranger tout ça. Bien, je vous laisse. Merci, docteur. De rien. Ça ne colle pas. Cette femme ne peut pas être Isabelle. Qui peut-elle bien être? C'est par ici. Voici l'enfant, votre petit-neveu. Quoi? C'est lui? Oui, mais oui, enfin, c'est lui. Mais enfin, il est marrant. Où est le problème? Viens la champion. Comment ça va? On dirait que vous ne savez pas que sa maman... Mais bien elle est, comme vous dites, marron. Non, c'est pas possible. Mon frère Rodolfo n'a pas pu se marier avec une femme de couleur. Non, c'est impossible. Comment vous le trouvez? Ah, comment ça va, bonhomme? C'est vrai qu'il est mignon. Tenez, Carolina. Merci. Allez, c'est l'heure de le coucher. Bien. Ah, s'il vous plaît, Carolina. Oui, docteur. Donnez-lui ses gouttes. Oui. Merci. Bon. Dites-moi une chose. Si vous êtes pédiatre, comment se fait-il que vous soyez dans cet hôpital? Eh bien, c'est parce que je m'ennuie dans ma clinique. Ici, c'est beaucoup plus tranquille. Votre clinique? Oui, oui. En réalité, je n'en ai pas qu'une. En fait, j'ai toute une chaîne de cliniques. Mais comme je le disais, ici, je me sens beaucoup plus à l'aise. C'est normal. Avant, j'étais un simple médecin de campagne. C'est pour ça. J'adore le contact avec les gens. Montre en or, 4 000 $. Chemise de marque, 1 500 $. Ceinture en cuir italien, 500 $. Chaussures sur mesure, 1 000 $. Oh non! Quoi? Non, je ne peux plus supporter cette coiffure! Avec ses cheveux attachés, ses pinces... Mais maman, moi ça me plaît! Non, tu n'es plus une petite fille!
Tu dois te donner un look beaucoup plus moderne. Laisse donc tomber tes cheveux, regarde, regarde. Alors, tu n'es plus une petite fille, mon amour. Regarde-toi, tu es une femme maintenant. Et en plus, tu es encore magnifique. Hein? Et puis, mets-toi du rouge à lèvres. Non, 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 non. Dans peu de temps, dans très peu de temps, tu seras une femme mariée. Oui, mariée. Alors tu ne peux plus continuer à te comporter, à t'habiller comme une petite fille. Regarde la différence. Mariée? Oui. Mais maman, Raimundo n'est même pas venu aux fiançailles, voyons. Eh bien, il a dû lui arriver quelque chose de très grave, Vivi. Tu sais bien qu'il t'adore. Maman, tu ne penses pas que... Tu ne crois pas qu'on pourrait attendre un petit peu? Je suis encore un peu jeune pour me marier. Et tu briserais le cœur de Gaëtan, ma chérie. Gaëtan, oui, oui, c'est Gaëtan. Le cœur de Gaëtan. Il tient absolument à t'offrir ta robe de mariée. Oui. Mon amour. Mais bon, attention, pas un mot, parce que c'est une surprise. Et comme c'est une surprise, il ne doit pas savoir que je te l'ai dit. Gaëtan est tellement enthousiaste à l'idée de ce mariage. Il ne parle que de ça. Moi aussi, je suis si contente, mais pas autant que lui, parce que lui, il en parle toute la journée. Tu sais bien que Gaëtan n'a jamais pu avoir d'enfant. Et toi, à ses yeux, tu es comme la fille qu'il n'a jamais pu avoir. Tu te rends compte? Oui. Tonton, il faut que tu rentres à la maison. Grand-mère est seule. Et elle s'inquiète pour toi. D'accord. Et grand-mère Barbara, dis-moi, comment est-ce qu'elle va? Grand-mère? Eh bien, tonton, tu sais qu'elle a beaucoup de problèmes de santé. Et alors, elle est partie voir les petits oiseaux. Grégory, mais qu'est-ce que tu racontes? S'il te plaît, ne pleure pas. Sinon, moi aussi, je vais pleurer. Eh bien, en fait, elle est morte. Non. Mais pourquoi, mon Dieu, pourquoi? D'abord, Barbarita, et là, ma grand-mère. Pourquoi tu nous fais ça, mon Dieu? Non, pas Barbarita, tonton. Je sais qu'elle n'est pas morte. Il ne faut pas perdre espoir. La pauvre petite. Si jeune, et elle est déjà veuve, c'est triste. Que s'est-il passé? Qu'est-ce que dit la police? Après elle, ils ont eu affaire à des voleurs. J'espère qu'ils se trompent. Une fois de plus, nous supportons les conséquences des bêtises de Rodolfo. Jolie, non? Oui. Oui, très belle. Mais exactement tout ce que Rodolfo détestait. Je trouve très étrange que ton frère ait choisi une métisse comme femme. Mais il faut l'accepter. Nous devons lui donner tout l'amour et tout le soutien qu'elle mérite parce qu'elle est la femme que ton frère a choisie. Et si en fait elle n'était pas Isabel Vélez de Aristigueta? Aidez-nous, Sainte Barbara. Ton trouillard de mari s'est enfui. Mais je le retrouverai. Et quand ce sera fait, il paiera. Il n'est pas là. Tu es certaine qu'il n'est pas caché sous tes jupes, Trinidad Blanco? Tu sais quoi? Ta gamine, elle est morte. Alors sache que ses mains n'ont pas fini de venger la mort d'Efraïn Melendez. Je ne m'arrêterai pas tant que je n'aurai pas vengé la mort de mon papa. Wilfried, arrête, laisse-nous tranquille. Pourquoi tu es là? Je suis ici parce que cette maison et le reste est à moi. Ta vie est à moi. Ton restaurant est à moi. Et la vie de tes enfants aussi. Tout est à moi maintenant.
Alors va-t'en. Qu'est-ce que tu racontes, Miguel? Pourquoi ce ne serait pas Isabelle? Elle était avec l'enfant, elle avait notre adresse, notre téléphone. Pourquoi dis-tu ça? Grand-mère, nous devons éclaircir la situation. C'est vrai qu'elle est arrivée avec un enfant, mais qu'est-ce qui nous garantit qu'elle et l'enfant sont les personnes que nous attendions? Pour le savoir, il faut que nous allions voir l'enfant. Eh bien, allons-y. Par respect pour ma mère, Wilfried, ne prends pas l'autre maison. Mes enfants doivent avoir un toit. Ton lâche de mari a parié, Trinidad Blanco. Et il a perdu. Alors maintenant, il faut qu'il paye. Donc tu dégages d'ici. Tu as de la chance. Aujourd'hui, je suis de bonne humeur. Je te laisse 5 minutes pour prendre tes affaires. Mais n'oublie pas une chose, Trinidad. Où que tu ailles, je saurai toujours te retrouver. Alors fais gaffe. Si jamais, si tu reviens, tu auras affaire à moi. Barre-toi ! Allez-y, les gars ! Frappez dans le tas ! Allez-y, les gars ! Ah, mais d'où vient-elle ? Peut-être de Colombie, ou peut-être de Bogota ? Ah, oh, Estella, à quoi ressemble le bébé ? Maman, tu veux répondre à ma question, hein ? Tu penses que ce docteur est bien pour moi ? Il me plaît beaucoup. Oui, oui, je crois qu'il est très bien pour toi. Mais attention, Estella, souviens-toi bien de ce que je t'ai toujours dit parce que oui, je sais, oui. Premièrement, rester vierge jusqu'au mariage. Deuxièmement, tu as dit que les filles bien ne doivent pas fréquenter les hommes du peuple. Et troisièmement, tu as dit que son trésor, on ne peut le donner qu'à un seul homme dans sa vie. Oui, maman, je le sais, ne t'inquiète pas. Bon, d'accord, d'accord. Maintenant, parlons du bébé. Comment il est? Voilà, maman. Mais non! Il est tout noir! C'est le portrait craché de Rodolfo. Je peux le prendre. Le même grain de beauté. Oh, oh mon fils. Oh, mon amour. Oh, mon chéri. Emma, regarde-le. C'est mon petit-fils. C'est mon sang. Mon Dieu. Oh, mon Dieu. Je te l'avais dit. Un jour, ta vie changera. Grand-mère, comment es-tu rentrée ici? Comment as-tu pu? C'est ton destin qui t'a amenée ici. Il n'y a plus de Barbarita. Maintenant, tu es Isabelle. Non, grand-mère. Mais de quoi es-tu en train de me parler? Je comprends rien à ce que tu racontes. Les esprits m'ont parlé très longtemps et j'ai failli en devenir folle. Mais j'ai fini par comprendre. Ton destin t'a amené ici. Tu vas cesser d'être Barbarita pour être une autre. L'enfant est ta mission. L'enfant est ton destin. Oh non, arrête. Tu me parles comme si j'étais folle. Grand-mère, dis-moi où est mon papa, Jean de Dieu. Grand-mère. Grand-mère, où es-tu? Grand-mère. Grand-mère. Où es-tu passée? Oh non, grand-mère. Ne pars pas. Reste avec moi. Grand-mère. Aucun moyen de l'identifier. Pas de passeport, rien. Isabelle Vélez de Aristigueta ne porterait jamais ça. Ça sent mauvais. C'est quoi ça? Miguel, je suis venue te présenter ton neveu. Alors comment tu le trouves? Il ressemble à Rodolfo. Oui, oui. Il ressemble à Rodolfo. Salut, bébé. Tu vas bien?
Tu as toujours un doute. Grand-mère, le bébé ressemble à mon frère, mais elle, qui est-elle? Je t'en prie. Lui, c'est mon petit-fils. Et elle, c'est Isabelle. Grand-mère, attends, réfléchis une minute, il y a des choses qui ne collent pas. Tu imagines Isabelle Vélez, richissime colombienne, porter ça? S'il te plaît, grand-mère, repense tranquillement à cette histoire. Je respecte ton enthousiasme, peut-être que l'enfant ressemble à Rodolfo, mais... Mon Dieu, mais regarde, c'est le portrait craché de Rodolfo quand il était bébé. Et puis regarde, il a le même grain de beauté sur son épaule. Grand-mère, pourquoi est-ce qu'il pleure? Tout va bien, tout va bien. Il n'arrête pas de pleurer, c'est l'infirmière qui me l'a dit. Grand-mère, et si on l'amenait voir sa maman? Ça le calmera sûrement d'être avec sa maman, tu ne crois pas? Vas-y! Allez! Bon, ça y est, ça suffit là! Ça suffit, arrêtez! Qu'est-ce qui se passe ici? Calmez-vous! Je pars, Wilfried. Je pars et je ne regrette rien. C'est fini. Plus de guerre. Et puis ces gens n'ont rien fait. Ça ne te suffit pas, tous ces morts et toutes ces douleurs? Et vous, en souvenir de ma mère et de ma fille, je vous en prie, partez. Plus de sang. C'est fini. Tout est fini. Allez, on s'en va. Allons-y. Au revoir, Rinina. Que Dieu vous protège. Faites bien attention à vous. Au revoir, les amis. Adieu. Adieu. Bonjour. Tu te sens mieux? Ouais. Mais j'ai mal à la tête. C'est le sédatif. Isabelle, il y a une personne qui veut te voir, si tu es disposée. Tu veux bien? Oui. S'il te plaît, qu'elle vienne. Grand-mère. Grand-mère. Il a besoin de toi. C'est ton fils. Là. Mon fils? Negra o blanca, blanca o negra, pero siempre consentida. Es como el fuego que se mete por las venas. Es agua pura que me corre por la piel, es como ver nacer una galaxia entera, ella estalla en mil colores, hay mil fuegos en su piel, es la fusión perfecta y justa de mi tierra, ella es la unión entre el amor y el desamor, el eslabón que le faltaba a mi cadena, ella puede con mi vida, es el volcán de mi pasión.